crois qu'on a trouvé des trucs. Est-ce que vous voyez une réduction là? En ce moment, c'est les soldes. Ouais, c'est les soldes, les petites soldinettes. Et on sait pas si y a des petites dingueries sur Pokémon ou pas. Donc franchement, moi, je suis pressé. Et dans cette vidéo, je te fais gagner les meilleurs boosters de Pokémon Évolution Céleste. Pour les remporter, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. Aujourd'hui, on va changer de magasin. On va aller dans le plus grand centre commercial de France. Ça se passe à La Défense, aux 4 temps. Dedans, il y a plein de boutiques. Ça va changer un petit peu. On va voir si on va trouver des bons plans. Croisons les doigts parce que souvent, les soldes sur Pokémon, c'est une fois sur deux. Des fois, il y a, des fois il y a pas. J'ai vu des frérots qui ont trouvé des coffrets à 15 euros. Franchement, j'espère qu'on va trouver des pépites. Oh là 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 là, il caille. C'est quoi ce temps là? C'est pas un temps à chercher du Pokémon là? C'est quoi ce délire? Et petite info comme ça, en ce moment, à ce qui paraît, il y a certains vendeurs qui vendent la nouvelle box là, écarlate et violette, avec les nouveaux et toutes nouvelles cartes avec les bords gris. Des vendeurs qui l'ont déjà, ça sort dans 2 semaines. On va voir si on peut le trouver, ça serait une dinguerie. Bon les gars, je suis arrivé. C'est pas que ça se tient. Les gars, ce centre commercial, c'est une dinguerie comment il est grand. On va essayer de faire le maximum de boutiques. J'ai vu qu'il y avait un Micromania et un Cultura. On va voir, j'espère, croisons les doigts pour des petites soldes sympas. Si on a un Micromania, on a l'air super grand. Elle est stylée cette peluche de Carapuce là. Ouais, 19 balles. Bon, je sais pas. Je sais pas c'est quoi les prix. Je préfère celle d'AliExpress. Oh, c'est archi cher les gars. 20 balles ici. 60 balles ici. 20 balles ici. Franchement, c'est super cher. Ça, c'est bien par contre. On a des soldes sur les pop. 5 balles. Il n'y a que des boosters origine perdu et Pokébox. Pas dingue, franchement pas dingue. Bon bah comme prévu les gars, c'est rarement soldé hein, les produits Pokémon. Mais il y avait 2-3 trucs sympas à Micromania, mais ils abusent hein. La Build and Battle à 80 balles, direct sous Cultura. Cultura. C'est qu'aussi ici t'as des magasins de jouets. Donc allons chercher. Mais c'est les blocs comme ça là de One Piece, pour les films de One Piece. Franchement, je valide. Je sais pas c'est quoi les prix. Ah, ça c'est les Naruto Deluxe Edition. Grand fan de Naruto, la famille, si vous voulez me faire des cadeaux, voilà. Bon là c'est Playmobil, je sais pas si on va trouver du Pokémon, mais on sait jamais. Tout ce qui est girafe. Je pense qu'aussi ils vont refaire les rayons et c'est le moment où on peut trouver des dingueries. Dites-vous qu'à Kinjoué, ils ont ressorti des ETB Célébration. Ouais, vous savez, hein, pour les 25 ans, il y avait des boîtes spéciales là pour Pokémon et c'était ressorti à Kinjoué. Même des coffrets Voix du Maître qui étaient ressortis. C'est le moment, les gars, de faire les meilleures affaires. C'est le début d'année quand ils font en fait les inventaires. Moins 70% pour les figurines de League of Legends. Bon. Ça n'a pas l'air de marcher. On a les jeux ici en promo, les gars. J'espère qu'on aura du Pokémon un peu en promo aussi, parce que là, c'est un peu chaud. Bon, les gars, j'ai pas pu filmer beaucoup parce qu'ils étaient en train de refaire le rayon. Il n'y a rien. Juste les Pokébox de Pokémon Go, elles sont même pas soldées. Hein. Ils les laissent à 27 euros. C'est super cher. Franchement, je trouve ça abusé pour des boutiques physiques. On va dans une autre boutique, mais là, je vous avoue, je suis très triste. Allez, je vous jure, même ça en solde, je l'achète. Tellement beau, là, cette Diwali. 40 euros. Début de recherche un peu compliqué, hein. J'espère qu'on aura un peu plus de chance. Là, je suis en train de perdre espoir, la famille. Il y a écrit solde de partout. Bah, mettez des soldes, mon frère. Solde, solde, solde. De toute façon, où les soldes, chef? Ok, les gars, il y a un Auchan qui est juste là-bas. Je pense qu'on aura un peu plus de chance là-dedans. Et je vous jure, par contre, le centre commercial, il est super grand. Et je sais même pas où sont les boutiques. En tout cas, c'est agréable. Ok, les gars, je suis arrivé à Auchan. Je vous jure, j'ai marché de ouf. Il est vraiment trop grand, ce centre. Allez, si on perd espoir. Bah, il n'y aura jamais d'espoir. Tant qu'il y a Kibiki, il y a de l'espoir. On va trouver du Pokémon. Là, là, les gars, regardez. Solde devant nous, là. Solde, solde, solde. Ah, c'est que des jeux. Après, s'il y a un jeu Pokémon, je vous jure, je prends. Et 5. C'est des faux chargeurs, ça, non? Choco. Oh là là. Rayon One Piece, là. Super beau. C'est en solde ou pas? Un manga offert pour 2 mangas de la série achetée. Oh, c'est bien pour compléter ses collections. Ah. En vrai, je pense que je vais en prendre, les gars. City disponible dans la limite des stocks disponibles. Ah, mais après, t'es obligé de sélectionner un des tomes gratuits, en fait. C'est pas super rentable, mais en vrai, si tu commences ta collection de mangas, ça peut être sympa. Je vais quand même regarder, on sait jamais s'il y a une dinguerie. Tu gagnes Pop Fire Force. Ah, regardez, 4 euros de remise et tout. Mais fumez les gars, que des réductions sur Pokémon, mon frère. Là, ils font sur tout, ils font sur tout. Mais ils font pas sur Pokémon, je vous jure. C'est quoi ce truc là? Est-ce qu'il y a une réduction là? Est-ce que vous voyez une réduction là? Eh ben non. Je sais pas pourquoi, ils veulent pas. Ouais, ça se vend trop, on est trop des pigeons les gars. Je vous l'ai dit, faut qu'on arrête d'acheter chez Poké Company. Ils ont trop pris la confiance, je vous jure, ils ont trop pris la confiance Poké Company. Eh, hey, c'est le prix ça non? C'est pas cher, je trouve. 50 euros. Je crois que c'est un peu moins cher que le prix d'habitude. Ouais bah, vous mettez solde les gars, mais après faut respecter. Hein. Ah, regardez là, c'est dans les jeux et jouets. Que c'est ici où ils vont mettre des cartes Pokémon. Allez, prions pour que je trouve quelque chose. Oh, ça c'était trop bien Beyblade pour les connaisseurs. Souvent Pokémon ça va être là. Oh, on a trouvé les gars. Oh, les gars, il y a de la dinguerie. Je suis trop content, on a enfin trouvé quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a des trucs vintage. Bon les gars, je crois qu'on a trouvé des trucs sympas.
Alors malheureusement il n'y a aucune solde, mais par contre les gars il y a vraiment beaucoup de stock. Déjà ça c'est de la folie, je les ai mis en boutique, on s'est fait dévaliser à 11,99 pour un Auchan. C'est très rare hein, de moment, ça se vend à 12,90 dans les Carrefour, 13,90 parfois. Moi j'avais payé 13,90 dans un Carrefour. Pareil pour les chines là, à 24,90, franchement c'est ok. Mais surtout le plus choquant c'est ça, le coffret Morpeko V-Union. Alors c'est un coffret qui se vendait pas les gars, mais 36€ c'est ok hein. Bon c'est sûr que c'est cher, je crois il n'y a que 4 ou 5 boosters. Mais le coffret est rare, franchement le coffret est rare, je me tape à le prendre parce que je ne l'ai plus dans ma collection. Je l'avais ouvert dans une vidéo, attendez on a un truc ici aussi, qu'est-ce que c'est? Ah non c'est encore voilà, Morpeko V-Union à retirer en caisse. Je regarde ici si on a d'autres choses. On fouille un petit peu là, j'ai l'impression qu'on peut trouver des petites pépites. Ils ont dû ressortir des stocks là, très très belle cette mini chine là. Je vous dis des bêtises, c'est les signes qui sont déjà sortis. Franchement, je me tâte parce qu'il y a le coffret Rwagada. On a encore des stocks de Rwagada, encore des stocks d'Evolution Céleste. Il faut en profiter, je peux vous assurer qu'il faut en profiter. Il y a déjà des fournisseurs qui se font cut pour Evolution Céleste. Du coup, là, je me tâte. Est-ce qu'on prendrait pas des petits boosters ou est-ce qu'on reprendrait pas un coffret Rwagada? On va dans un autre magasin voir s'il y a des soldes. Sinon, on repasse ici, on achète. Ça m'a mis de bonne humeur de revoir un petit peu de stock. Je vous jure, avec toute la marche que j'ai fait, surtout toute la route, hein, je suis à plus d'une heure et demie, presque deux heures d'ici. De rien trouver, ça m'aurait vraiment irrité. Direction maintenant Pickwick Toys, c'est l'un des plus grands Pickwick Toys qui existe. J'espère qu'on va trouver des dingueries. La dernière fois j'avais trouvé des Pokébox en solde, une achetée, une offerte. Les gars ça a fermé ou quoi? Je vois pas le Pickwick. Je trouve pas, je vais regarder dans le plan. C'est tellement grand. C'était immense, j'avais fait une vidéo là-bas il y a un an. C'était vraiment immense. Je crois que c'est. Bah ça c'est pas du coup. Mais dites pas que ça a fermé, c'est un truc de ouf. Jeux et loisirs. Regardez, ouais, ils sont la Micromania à la Fnac. Purée, ça n'existe plus, les gars. Je suis choqué, les gars. Je vous jure que ça m'a déprimé. Et on assiste vraiment à une crise du jouet. Les boutiques de jouets, elles créent des souvenirs pour les enfants. Et aujourd'hui, bah, que ça ferme de plus en plus, en vrai, moi, ça me dépite un petit peu. Eh, les gars, on a un petit tabac, là. Attendez, je vais voir s'il a pas du Pokémon. Et où est-ce que vous vendez les cartes Pokémon? Vous savez quoi? 6€, bon bah je me suis pris un petit booster tempête argentée. Je suis content, bon bah 6 balles hein. Au moins j'ai un booster. Allez, là on est sur la deuxième partie du magasin. Parce que oui regardez, il est tellement grand que du coup t'as un deuxième magasin qui est là. Là à l'intérieur t'as une énorme Fnac. Du coup on va essayer de voir. Je vais ouvrir les cartes avant parce qu'on sait jamais, ils vont me traiter de voleur ou je sais pas quoi avec les codes barres. J'ai eu la chance ici de faire mes études. J'ai fait une licence d'économie. Voilà, je raconte un petit peu ma vie les gars, mais c'est vrai que ça me rappelle de beaux souvenirs. J'étais tout le temps là, je m'entraînais d'ailleurs au fitness park ici, il y en a un qui est tout derrière. On va voir si tempête argentée va me faire du bien. Ouh, il y a du vent et tout. Attention les gars, on va commencer. Est-ce qu'on va avoir un code blanc ou un code noir? Et voilà, d'abord voilà, c'est un landur. Là c'est les landurs les gars, c'est vraiment les landurs. Dans la brise, dans la bruine, il peut toujours se passer quelque chose. 6€ les gars pour tenter l'exploit sur tempête argentée ou alors se faire Jason comme d'habitude, comme tous les landurs. Let's go. Vraiment sympa cette petite TG. Allez, ça finit dans ma poche, j'ai même pas de sleeve, je sais. C'est sorti le booster. Regardez comment c'est abîmé. C'est n'importe quoi. Bon, la carte est vraiment cool par contre. Hein. Mais vraiment, j'ai trop la rage. Deux, acheter deux offerts. Ah ouais, ça peut être bien. Hein. Les gars, je suis en train de me dire, là, je peux en acheter deux et j'en ai quatre. Donc pour 30€, j'ai quatre pop. Ça marche sur Pokémon. Attendez, on va regarder. Là, je peux prendre peut-être la Pikachu, la Mr. Mime. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres Pokémon parce que Dragon Ball, j'ai pas des figurines à la maison. Ah, mais c'est ça le problème. C'est voilà, vous avez vu, le seul qui est vide, c'est bien sûr Pokémon. Les gars, je vais crier dans le magasin, la fille, je vais me faire virer. C'est une dinguerie le mur de Pokémon Go les gars là. 27 balles, ok. Les gens n'ont rien à faire de Pokémon Go ces derniers temps. Je vais voir s'ils ont pas un rayon un peu caché où il y a du Pokémon. Une fois j'étais venu c'était ça. Parce que s'il en reste que des Pokémon Go comme ça, aïe. De toute façon il reste que ça. Vous allez dans tous les magasins en ce moment, il reste que ça. Les Pokébox de Pokémon Go. En fait le problème c'est qu'elles sont trop chères. Si les soldes, je peux vous assurer que ça va partir hein. Même à 20€. Vous baissez de 4€ sur Pokémon, il y a tout le monde qui court pour l'acheter. Ici on a les cartes One Piece, tout ça, là. FIFA. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que je suis dépité. Aujourd'hui, c'est vraiment la loose. J'ai même pas envie d'ouvrir un coffret parce que regardez, aujourd'hui on trouve rien. Après, peut-être qu'on va avoir un peu plus de chance. C'est vraiment honteux. C'est vraiment la loose hein, cette vidéo. Pour rien du tout au final. Bon, heureusement qu'on a quelques coffrets Rwagada. Heureusement qu'on avait quelques coffrets. Je rentre chez moi et on va aller voir ce qu'il y a dans les magasins chez moi. Si on peut trouver des soldes, peut-être que dans la banlieue ce sera mieux. Parce que là, franchement, c'est vachement nul. J'ai réussi à rentrer chez moi sans que ce soit un peu trop la galère. Vraiment, grosse force à tous les étudiants qui font ça et même ceux qui travaillent. J'étais venu pour une vidéo il y a quelques temps ici pour ceux qui se souviennent. Et je sais pas s'ils ont fait un restock. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont remis des trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Oh là là, regardez les prix. 28€. Bon, point de fusion 6€, on a une Pokébox de Pokémon Go. Origine perdue ici à 18. Oh là 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 là. Ah ouais, là on est vraiment sur l'une de mes pires vidéos niveau stock et tout. Hein. Ici on a tout ce qui est en solde, mais bon, je pense pas qu'on va trouver des cartes Pokémon les gars, hein. Ça m'étonnerait. Hein. Une longue époque où ici on pouvait trouver des cartes Pokémon. Il y a au moins, allez, 3-4 ans,
Il y a 3-4 ans, moi j'en ai... J'avais trouvé en solde, les gars, c'était des boosters ténèbres embrasées, j'en avais ouvert énormément. Et c'était grâce notamment à des soldes, et on touchait les boosters même pas 3 euros. C'était génial, ceux qui étaient là pendant cette époque là, vous vous rappelez. Mais là, avec la hype de Poké, et les produits en plus qui sont quand même bien vidés pour Noël, bah, chez nous en tout cas, il n'y a rien. Mais j'ai vu dans plein de provinces beaucoup de soldes, alors allez-y, regardez. C'est le Ronflex le plus balèze de l'histoire. Eh ouais, mon gars, t'as déjà vu un buff comme ça, un vrai Ronflex en mode kawaii-ne, déchiné. On a réussi à trouver le coffret Rwagada, on va voir un petit peu derrière, et dans les commentaires, dites-moi si vous avez trouvé des soldes de dingue. Ok, le coffret Rwagada, malgré des cartes promo qui sont vraiment caca. Franchement, moi j'aime bien. Alors allez, on va s'ouvrir ça. Je suis vraiment déçu de ouf, les gars. J'ai fait beaucoup de routes pour aller vous chercher des magnifiques soldes. J'avais vu sur Discord plein de monde qui avait réussi à trouver des soldes de ouf, hein, je vous jure. Des mecs qui avaient trouvé des coffrets à 15 euros et tout, les coffrets Simé Abras par exemple. Donc je pense que c'est surtout les boutiques spécialisées qui font des soldes. Donc vous inquiétez pas, sur Cario, nous aussi, si le chapeau de Ronflex va me donner chance. Et est-ce que Jason va faire n'importe quoi ou pas? Allez, les gars, on est parti pour point de fusion. Les gars, vous savez que je n'ai jamais rien drop de bien sur point de fusion. J'ai jamais eu de carte alternée, rien du tout. Et pourtant, il y en a, hein. Ça aussi, c'est un gros problème de point de fusion, c'est que la série, elle est boudée, mais c'est surtout parce que les taux de drop sont catastrophiques. Code noir, ça veut rien dire sur point de fusion. On peut ne rien avoir, même si on a un code noir sur point de fusion. Et c'est parti, les gars, avec l'énergie métal. Je suis content quand même d'ouvrir. Je vous dis, je suis content d'ouvrir. J'espère qu'on va pas se prendre une petite climatisation de la part de Jason. Scoot, Gripat, ok, d'accord, très bien. Trousselin, à chaque fois, ça me fait penser aux cartes de ténèbres embrasées. Je sais pas pourquoi. Feuillage ou Moumouton. Tu vois pourquoi je suis content de voir un Moumouton. Pandeski Piègle. Attention sur la river Corallion parce qu'on n'a pas de carte TG du coup. La seule chose qu'on peut avoir, c'est peut-être derrière cette carte. Here we go again. Zerora en commune. Bon, mon frérot Jason, je vois que tu commences bien à mettre ton petit. Ouais, ok, y a pas de souci. Oh, je vais bien m'occuper de toi. Tu vas voir, frère. C'est le moment d'aller chercher un drop. C'est le moment d'aller chercher quelque chose. Je compte sur vous pour me donner de l'amour dans les commentaires. On va voir si on a un petit code noir. Ce serait cool. Aïe, 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 aïe. Ah, mais les ouvertures de Kibiki, là, 2023, c'est terrible, hein. Je drop rien pour moi ces derniers temps. En TG, est-ce qu'on a quelque chose de bien? Je sais même plus. D'ailleurs, le dernier coffret Rwagada que j'ai ouvert, j'ai rien eu. Un 4 booster, même pas une holo, même pas une V. C'était une catastrophe. Piritombe. Attention sur le spot TG, les amis. On n'aura rien, donc on est sûr de rien avoir derrière avec son... Polaral. Ouais. Fille, les amis, c'est dit. Toi, tu vas pas faire long feu, mon pote. Tu vas pas faire long feu. Si on veut une alternate, c'est maintenant. Si je fais encore un coffret sans rien, ça serait terrible. Allez. Énergie. Le stress monstre. Roy. Jouer attrapeur. Caverne de cristal. Tournicoton. Love Disc, Passe Rouge. Oh là là, regardez la qualité de print dégueu. Lupio, Chlorobule. Attention les amis, c'est maintenant. Marchado, Musique Épique, c'est maintenant. Allez les gars, sur Évolution Céleste, on veut quelque chose. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Ah, une carte holo, mais Jason! Mais tout ça, c'est de ta faute, frère! Ok, les gars, c'est bon, je vais faire sa fête. Là, je vous dis, il n'y a plus de je sais pas quoi. Il n'y a plus de charabia. On va envoyer du hit. Évolution céleste. Eh, les enfants, reproduisez pas ce que je fais, hein. Après, vous allez dire, papa et tout, il faut qu'on prenne une peluche de Jason. Avoir quelque chose, parce que là, c'est dur, une petite carte internet, une full art aussi, ce serait très bien. Caverne de cristal. La valise de secours. Furiglon. Nodulite. Ok les gars, c'est le dernier booster en son. J'ouvre un petit peu moins, hein, c'est la crise, hein, c'est comme ça. Non mais voilà, j'essaie de plus me calmer, de plus profiter des ouvertures. Donc là les gars, c'est le moment. Est-ce qu'on va se prendre une clim ou on va envoyer quelque chose de bien? Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose de bien en vidéo. Est-ce que ça brille un peu? Ça a l'air de briller un petit peu, les gars. Ah, carte V, ce sera... Ah, quoi, c'est l'arbre encore? J'ai sorti une vidéo, j'ai ouvert des cartes sur AliExpress. Clique là si tu veux la voir.